viens du théâtre. J'ai commencé très jeune, j'ai travaillé beaucoup pour le théâtre, j'ai fait des régies de théâtre. Je me suis occupé de scénographie, des plateaux, organisation de plateaux, son, lumière, costumes, etc. Je suis revenu en Algérie, j'ai retravaillé au théâtre avec Al-Noula, avec Théâtre et Culture de la rue Mogador. Et je suis rentré par la petite porte au cinéma. Et puis petit à petit, le besoin d'écrire. J'ai trouvé que, c'était un peu prétentieux de ma part, mais j'ai trouvé que l'écriture de scénario était un peu. Correspondait pas à ce que je voyais souvent. J'ai beaucoup assisté de cinéastes. Et un métier passionnant. C'est un métier passionnant. Et un métier très formateur pour eux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on écrit en toute liberté. C'est important, c'est fondamental. Si vous n'écrivez pas en toute liberté, il vaut mieux changer, il vaut mieux arrêter. Je veux dire, comme je vous disais encore une fois tout à l'heure, il y aura suffisamment de censeurs, de gens qui vont couper sur votre texte, qui vont vous dire ça passe pas, ça. Soit des autorités, soit une presse qui a autorité, bon, enfin bref. C'est quoi, en fait, une belle histoire? C'est quoi un bon scénario pour vous? Je répète souvent, quand je parle du métier de scénariste, un scénariste, avant tout, est un conteur. Un conteur, pensez à nos grands-mères ou à nos mères. On écrit pour le cinéma et la télévision. Moi, là, c'est une question de taille. Pour la télévision, on découpe de façon plus intimiste, on est plus spectaculaire dans le cinéma, on fait des plans beaucoup plus larges, beaucoup plus, on fait des mouvements beaucoup plus importants également, qui ne convient pas, ou le petit rôle, parce qu'on n'a pas fait attention, on a négligé un petit peu l'importance du petit rôle, et il est là, il convient pas, il ne cadre pas. Alors, pour ne pas changer le comédien, on fait une entorse à la femme de Sam. La femme de Sam, c'est un film d'un décor, qui ne sont pas nécessaires à la scène. S'il faut uniquement le cadreur, le preneur de son. Parfois, nous, il nous est arrivé de tourner des scènes où le preneur de son était dehors, il n'y avait que le perchman qui était à l'intérieur. Alors, monsieur, je suis là. Je fais l'équilibre de moi.